Ouais, le maréchal, le procureur Joël Trasso de la brigade anti-sorcier. Nous allons à Brabo-Boukou, comme ça. Vous voyez, la voie, elle est praticable. Nous sommes à cette date du 28. Le 28, mercredi 28 mai 2014. Mais du mai 2014, regardez un peu. La voie impraticable, impraticable. Vraiment, nous sommes suivis par 162 pays sur le YouTube. Beaucoup sont ceux qui apprécient le travail. Mais si on n'a pas de soutien, il sera difficile de vraiment aller très loin. Parce que nous avons laissé la capitale qu'on appelle Abidjan, les grandes villes. Pour nous, l'Afrique est le plus grand champ missionnaire. Il faudrait gagner au maximum d'âmes à Christ. Et surtout que les Africains ont besoin de l'évangile pour se développer. Nous avons décidé d'évangéliser l'Afrique et tous les villages africains, à commencer par la Côte d'Ivoire qui est notre Jérusalem. Mais nous manquons du matériel. Et chaque jour, c'est des cris, des cœurs. Je crie toujours pour ceux qui aiment Jésus-Christ. Et je pense bien que cette fois-ci, ça ne rentrera pas dans l'oreille des sous. Parce que je viens de bousiller ma voiture pour la cause des âmes. Et c'est Jésus a besoin de vous pour nous aider vraiment à avoir un véhicule. Avoir un véhicule, vous voyez, malgré que j'ai mon véhicule bousillé, le moteur est explosé, mais je continue. Voilà, ici il faut toujours louer une voiture parce que chaque fois, cette voiture est en panne. J'ai demandé aux gens de m'aider à réparer ma voiture parce que chaque fois c'était 100 000, 200 000, jusqu'à ce qu'aujourd'hui la voiture me lâche. Mais je ne peux pas croiser les bras puisque il faut que l'évangile soit annoncé. Voilà, avec le minimum de moyens que nous avons, nous le mettons à la disposition du Christ. Vraiment, si vous aimez le Seigneur, que vous voulez voir vraiment son œuvre continuer, aidez-nous. Aidez-nous. La preuve, c'est que nous avons déjà sur le YouTube plus de 2058 vidéos qui dit que nous sommes chaque jour actifs. Nous sommes sur le terrain en train d'aider des gens, en train de les évangéliser. Si nous avons plus de voitures, vous allez voir que nous allons gagner plus de contrées à Jésus-Christ. La voiture, la Langoune n'était pas adaptée à cette voie. Mais malgré ça, nous étions toujours dans la région en train d'évangéliser. S'il vous plaît, il ne faudrait pas que cette fois-ci, que ce message rentre dans l'oreille des sous. Oui, Jésus-Christ a besoin de vous. Aidez-nous, s'il vous plaît, à annoncer l'évangile de Jésus. À sauver les âmes, parce qu'ils ont besoin encore de Christ. Vous voyez cette voie. Ce matin, je suis obligé de venir à Brabo-Boukou. Voilà. Voilà, nous sommes à Brabo-Boukou. Nous allons à Brabo-Boukou. Voici le village. Et c'est cette voie qui nous apprêtons chaque fois. Chaque fois, annoncer l'évangile. Vraiment, aidez-nous. Nous avons décidé d'évangéliser les villages. Nous avons décidé sous l'ordre du mandat du Saint-Esprit. Mais Dieu a besoin de vous. Il dit, allez-y et demandez. Si on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Oui, Dieu a besoin de vous. Donne-nous les moyens pour que nous puissions vraiment œuvrer pour la cause du Christ. Tu es aux États-Unis, tu es en France, tu es en Australie, tu es au Brésil, tu es à Qatar, parce que nous sommes suivis par 62 pays. Vraiment, nous demandons de l'aide. Venez, aidez-nous. Annoncer l'évangile. Si vous pouvez aider des gens de la télévision, parce qu'il y a des aides que vous apportez à la télévision, des chaînes de télé qui apportent l'évangile, telles que Béni TV, ainsi de suite. Mais nous qui sommes actifs sur le terrain, nous qui allons sur le terrain, nous devons nous aider à évangéliser. À évangéliser, afin de gagner au maximum de personnes à Jésus-Christ. Vraiment, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas que cette fois-ci, que ça rentre dans l'oreille des sous. Voilà. Nous avons besoin de vous. Les amis de Jésus-Christ, les amis de Jésus-Christ, c'est maintenant. Si tu es à Londres, le fait même d'envoyer une voiture, c'est comme si tu étais sur le terrain. Le fait que nous allons monter maintenant dans la voiture, aller évangéliser, ça serait une bénédiction pour toi. Ma voiture est en panne. Elle est vraiment bousillée, elle est bousillée. Voilà, mais malgré ça, l'œuvre continue. Mais nous avons besoin encore plus d'aide, de soutien. Moïse est sur la colline, a eu le soutien de Aaron et Hu, qui l'ont aidé jusqu'au coucher du soleil. Nous avons besoin de vous pour faire avancer le Dieu, le royaume de Dieu. Si vous aimez le Seigneur, soutenez ce ministère avec la compassion des âmes. Soutenez-nous, s'il vous plaît. Soutenez-nous, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin. D'autres ont de l'argent, ils vont louer des salles. À l'hôtel, ils voient 3 millions par séance. Nous avons décidé pour nous, nous avons même les 3 millions. Nous pouvons même chaque jour aider une évangélisation de 2 à 3 mois en train d'évangéliser nos parents dans les villages et tout ça. Voilà, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre aide. Il ne faudrait pas que cette fois-ci, que ce message entre dans l'oreille des sous. Voilà, je suis le prophète Joël Crasso. Nous sommes en train d'entrer maintenant à Brabo-Boukou. Voilà, Brabo-Boukou.
Oui, pas de bras du coup, toi, le ténètre, toi, pour le ténètre, quand on crée son Dieu, on joue à Shalom, et qu'il nous rend tout en bras du coup avec Jésus-Christ. Alors, toute âme forgée contre nous, déclare le Saint-Esprit, nous nous plongeons dans le sang de l'agneau, et nous proclamons la Seigneurie, la puissance de Dieu. Voilà, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, le sang de l'agneau. Couvre maintenant le sang de Jésus-Christ. Voilà. Oui, prophète, prie pour nous, prophète, aide-nous, prophète, aide-nous. Mais le prophète a besoin, prophète, dans les difficultés, dans le sens où sa voiture est en panne. Il a besoin encore de vous aussi pour l'aider. Voilà, le Seigneur a besoin de vous. Voilà, pour que l'évangile puisse vraiment aller de l'avant. Il faut que l'évangile soit prêché. Il faut que l'évangile soit prêché. C'est à droite, non, c'est ça? Oui, mais le chef, il est où? Non, on va aller. Où est le Paris, là? Voilà, nous sommes en plein cœur de bras du coup. Tiens, tu vas me filmer en même temps quoi. C'est pas éteint. Présence des ténèbres, comment imposer la Seigneurie de Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous serons en pleine réunion avec la notabilité. Je veux dire, c'est une chose spirituelle pour évangéliser. Nous sommes là pour évangéliser, préparer une grande évangélisation à la place de la Shalom.